tu es hypersensible. De deux, il faut qu'il y ait une certaine distance entre le filtre anti-pop et le micro. Là, tu peux parler des trois choses-là. Filtre anti-pop, quand tu dis comme ça modonne. Position du micro, bonne distance du fil anti-pop et du filtre anti-pop et. Et pas de contact avec le micro en termes de tactile, non. On ne doit pas toucher ni le micro, ni tout ce qui concourt à. Même ça. Oui, parce que quand on touche pendant l'enregistrement, ça, les vibrations sont enregistrées, quoi.